Allez, on change un peu. Je profite du retour de la balade assez tranquille parce que bah, looping y boite évidemment. Pour vous faire un peu une petite vidéo à la place des photos. Pour me voir un peu en action. Donc là, ça fera au total 15 km de balade. Donc c'est pas énorme, mais looping, bah, pour le moment, il ne doit pas vraiment faire plus parce que après, où il est très raide, où il... Mandy ! Où il boite. Mandy vient de se rouler dans je ne veux pas savoir quoi. Hein, après, l'odeur, bonjour. La préparation d'une attaque. J'adore quand il fait ça. Et Mandy, elle n'a pas du tout envie de jouer. Elle en a marre. Donc là, je suis en plein dans le maquis de Provence. Je suis dans les Maures. Donc là-haut, on voit bien le... Enfin, on voit bien. En fait, on voit rien du tout, pardon. On voit bien le haut du massif, quoi. J'aimerais bien voir ce que ça donne un jour de tout en haut, parce qu'il doit y avoir une super vue. Donc, on revient d'un coin où il y a un peu de l'eau pour qu'il puisse boire. Mandy a pêché des fruits tombés dedans, c'était rigolo. Un petit loup. Et puis là, bah, on se rentre tranquillement. Enfin bon, l'allure tranquille de looping, quoi. Il est fou ce chien. Et c'est plutôt sympa comme balade. Ça sera encore plus sympa si sur la colline en face, j'aille pas les chasseurs. Mais bon. Voilà. Nous sommes vraiment dans le maquis. Il n'y a pas grand chose. En plus, il fait pas hyper beau. Parce que là, on a un grand ciel bleu. Et là-bas, ben, c'est tout gris, quoi. On aurait pu avoir mieux comme ça. Et encore, ça va, j'ai eu peur qu'on prenne la pluie. Puis bon, il fait pas froid non plus. Il doit faire, je sais pas, peut-être 8 ou 9 degrés. Donc c'est plutôt cool pour balader. Hop, juste un petit tour parce que pour vraiment, il fait pas froid. C'est vachement agréable comme température, même si bon... On devrait faire un peu plus froid quand même. J'avoue que l'hiver me manque un peu. On ne peut pas tout avoir. Hein. Donc derrière moi, on a encore le haut du massif. Je trouve ça absolument sublime. J'espère que vous y voyez quelque chose. Parce que là, moi, je ne vois plus l'écran, donc je ne vous vois plus. C'est beau. Allez, je vais vous retourner encore. Je vais vous filer le mal de mer. Et hop là, de retour dans le sens de la marche. T'as trouvé un bâton? Donc voilà, nous niveau marche, après, on est plus endurant que rapide. Hein. J'ai jamais été dans... dans le speed. Et je suis du sud, hein. Et bon, donc c'est cool parce que c'est dommage que looping y boit, donc vivement l'opération. Parce que j'ai deux chiens qui sont assez endurants. Donc bah on y va cool, mais l'application qui me dit qu'on a fait 3 km, ça y est. Donc on y va cool, mais avant que Piping il ait mal. Et donc après l'opération, on pourra recommencer à faire nos 10 km à l'aise, quoi. Bon, vraiment 4 km c'est court pour tout le monde, donc vivement que tout ça soit derrière nous. Là on a encore 1 km à faire pour rentrer, et je me répète, mais je trouve ça vraiment très beau. Bon, désolé pour l'essoufflement derrière. Et ça monte et ça descend. Et en tenant en plus à bout de bras l'appareil qui est lourd, c'est pas évident. C'est dingue ce contraste entre ici où il fait super beau et puis par chez moi où il fait tout moche. J'espère qu'on va pas rattraper la pluie en arrivant à Draguignan parce que bon.
ma Nini. Bon, on a atteint les 5 minutes. Hop là, nous revoilà. On a atteint les 5 minutes d'enregistrement tout à l'heure. Et je savais pas, mais j'ai quasiment plus de mémoire. Donc du coup, bah, ça a coupé. Donc j'ai un peu libéré de l'espace. Mais bon, voilà, je pense que je vous ferai une... Quoi, mon cœur ? Une vidéo un peu plus... un peu plus, je sais pas, pas musical, mais un peu plus rythmé avec la GoPro la prochaine fois. Mais là, j'ai pas du tout pensé à l'emmener. J'ai pensé à prendre l'appareil photo, mais pas du tout la GoPro. Puis comme en plus, il faisait pas beau, ben, je suis pas sûre que la GoPro que j'ai, elle rentre très bien, quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit interlude avec nous. J'en referai régulièrement. Bon, j'ai pas trop l'habitude de filmer des vidéos, de me filmer moi en train de parler, tout ça, donc je sais que je suis pleine de mimiques et compagnie. Je suis comme ça aussi dans la réalité, donc ça va très certainement continuer. Et puis bah, je vous retrouve à très bientôt avec notamment pas mal de nouveautés dans la boutique dans les semaines qui vont suivre. Et puis là en ce moment je suis un peu ralentie parce que je prépare un déménagement, donc... Donc voilà quoi, tout est un peu dans les cartons et c'est un peu complexe de bosser. Mais je vous reviens le plus vite possible et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.